passe en entrée de territoire, bien coupé habilement par Melovski, mais Melovski a perdu le disque par la suite. Et là, c'est Justin Côté qui, lui aussi, perd la rondelle. Entrée de territoire du Drakkar, remise à gauche. Une autre passe à Plourde. Plourde lance. Et okay, le passe de Louis-Charles Plourde. Louis-Charles Plourde, qui avait reçu la rondelle, s'est bien dirigé vers le filet à gauche, a trouvé l'ouverture derrière. C'est Melovski qui l'a poussé. Oui. Alors, c'est Melovski. Oui. Il lui a servi une passe sur un plateau d'argent. Et Louis-Charles Plourde continue d'engranger là, les points. C'était une belle entrée de zone. Qui marque son quatrième de la saison. C'est donc une passe de Louis-Charles Plourde. Poirier tire et le but! Je disais que Poirier avait une passe et pendant que je mentionnais sa passe, il ajoute un but. Alors voilà Poirier qui marque et c'est 2-0 de Drakkar dans le temps de le dire alors qu'il reste 15 minutes 37 à faire à la première période. Le gros jeu sur cette séquence, Éric, c'est Mathias Melovski qui a réussi à enlever la rondelle du défenseur des remparts. Il a déniché Justin Poirier. Et pour deux raisons, Jacques. Évidemment, pour le talent de gardien de Beckman, et il a une bonne défensive devant lui également, côté du Drakkar. On n'accorde pas trop de buts, donc pendant qu'il arrête, justement, là, il améliore son pourcentage d'efficacité avec cet arrêt là, depuis le début du match. 11 minutes, très précisément, à notre zone. Une remise au centre. J'allais dire longue remise, mais c'est Auger qui l'a reçue. Là, ça lui revient, Auger, près de sa ligne bleue. Perd le 10, se fait arracher la rondelle. Attention, c'est une passe à Poirier. Poirier! Et la passe! Oh, et quel arrêt! Passe. Quel beau petit jeu de Poirier! Petite passe à courte distance à Plourde. Et Plourde s'est fait voler là, par Deneau là-dessus. Oui, les joueurs sont généreux. On se trouve. On s'avance le long de la rampe. Fait glisser. C'est Maddox Dachnek qui subit le coup d'épaule de Pearson. Mais on n'est pas parvenu à dégager. Justin Côté a du mal à maîtriser le disque. Revient vers la ligne bleue. Un tir de Côté. Une passe plutôt à l'embouchure. Et le but! C'est un but qui vient d'être marqué. Je pense que c'est Quinn qui a marqué. Il était à courte distance devant le filet, a reçu de Maddox Dagenet. Les remparts qui ont un bon, bel avantage numérique, oui. Efficace à 27,4%, quatrième dans la ligue. Et on vient d'en voir un résultat. C'est Quinn qui a marqué. Oui, il a reçu la rondelle de Dagenet, je crois. Maddox Dagenet. Là, c'est Samson. C'est débattu dans le sac de mise en jeu. C'est Loisel maintenant. Longue remise de Loisel. C'est bien fait à gauche. Une attaque à 2 contre 2. C'est une passe en direction de... Et bel arrêt du bout de la jambière, là. Parce qu'il y a Greenwell qui a laissé Plourde du Drakkar. Les remparts. Passe de Desmarais derrière à Lebel. Lebel à courte distance. On va réussir à s'installer, oui. Attention, le tir de Dorion. Et c'est un bel arrêt. Dorion qui s'avançait dans le cercle avait reçu une belle remise. Et Beckman était prêt, là. C'était une belle entrée de zone des remparts. Ils ont réussi à dégager un joueur complètement qui a été... On fait du bon travail là, en défensive pour écouler des secondes du côté du Drakkar. La rondelle se retrouve à la ligne bleue au point d'appui. Il reste encore 8 secondes. Un tir de loin. Attention, il y a un retour. La rondelle est libre. Et qu'est-ce qu'on vient de rater le but? Elle est, oui. On n'avait pas sifflé. On a réussi à marquer. Et je te disais qu'on avait encore du temps pour marquer tard en jeu de puissance. Il ne restait que 3 secondes à l'infraction de Plourde. Donc... Le Drakkar domine à 5 contre 5, mais l'indiscipline fait mal. On offre 2 chances au rempart et il profite des 2 occasions. Il est cher jusqu'à maintenant. Alors, est-ce qu'on pourra là, finalement tenir le coup? Attention, le tir et le but! Ben voilà ma réponse, je l'ai eu très rapidement. Alors que Auger, après seulement 4 secondes d'action en avantage numérique, on gagne la mise en jeu et paf, on continue à en rajouter. Donc, le jeu... Poirier à la ligne bleue. Le disque lui revient. Poirier freine le long de la rampe. Envoie de l'autre côté. Et le but! Quel jeu! Une passe de Poirier Alexis à Bernier. Bernier. Et Bernier a renvoyé le disque de l'autre côté. Tic-tac-toe. Melovski. 3-2. Melovski. Mathias Melovski qui marque son deuxième but du match à 4 contre 4. Donc le Drakkar n'a pas joué de puissance, Jacques, mais c'est eux qui ont profité du 4 contre 4. La combinaison Bernier-Poirier comme hier qui fonctionne. Ils se trouvent sur la patinoire, ces deux-là. Et quel beau jeu également de Bernier qui immédiatement là, a flairé qu'il y avait une ouverture qui se créait de l'autre côté. Faiblement devant lui, ça permet au rempart de garder le disque en territoire de Québec. Un tir bas de Morin,
de Lavoie, arrêté par la jambière de Deneau. Là, c'est Bernier. Ça lui revient. Bernier s'avance, a quitté son poste de défenseur. Bernier veut ramener de l'autre côté. Et le but! Quel jeu de Bernier! Il a quitté son poste de défenseur. Il a contourné le filet. Il est revenu vers la droite et il a glissé ça derrière le gardien. Et c'était beau, le petit jeu de 1-2, comme on appelle. Je te fais une passe, tu me fais une passe. Le grand gardien des Remparts de Québec. C'est remporté par le Drakkar, cette mise en jeu. Un tir. Et le but! Un tir de Samson qui semblait inoffensif, genre voilà qui est parti de la ligne bleue. On l'avait appelé jeudi dernier, oui. Mais c'est là que ça va être son premier but. Le premier but d'Oliver Samson dans la LHJMQ. Un beau moment. Le joueur européen qui, cette fois, Jacques, il n'y aura pas de reprise, il n'y aura pas de tablette, il est à lui, puis personne ne va lui enlever. Il pourra s'amuser à mettre un petit ruban gommé avec la date où il a marqué ce but-là. Alors, c'est maintenant un but. L'espace sur la patinoire pour l'instant. Jules Boilard. Jules Boilard freine. Il va d'un jeu et c'était mou. Là, Auger s'avance. Et le but d'Auger. Et là, malheureusement, tout ça est parti d'un petit jeu mou en territoire central. Et à 4 contre 4, alors qu'ils ne sont pas encore en avantage numérique, eh bien, c'est Thomas Auger qui permet à la formation de Québec de se ramener dans le coup. Là, c'est maintenant 5 à 4, 9 buts dans ce match. Et c'est le premier but marqué par les Remparts ce soir à armes égales parce qu'on était 4 contre 4. C'est Jules Boilard qui... malheureusement, ouais. A fait une passe. C'est comme s'il avait perdu le titre. Comment s'ajuster? Alors, faut trouver autre chose. Rondelle, Stewart, sur la ligne bleue, fait glisser derrière la cage de Beckman. Les Remparts vont gagner le duel le long de la clôture. C'est Andreas Straka qui se dégage. Il a réussi, le Michigan! Il a réussi, le Michigan! Incroyable! Oh là là! Andreas Straka avec un Michigan. De toute beauté. Alors ça, on n'en voit pas souvent, Jacques. Il a pris tout le monde par surprise. Écoute, et le gardien en premier. Et ça, il crée l'égalité avec un Michigan. Alors voilà, tous les moyens sont bons. On revoit l'action ici. Quelle belle manœuvre! Vraiment, là, faut être habile rapide pour faire ça. Et c'est très frustrant pour un gardien de se faire marquer ce genre de but. On avait vu le filet sortir des amarres par la suite, mais c'était trop peu, trop tard. Straka avait créé les dommages. Et les coéquipiers sont... Pour l'instant, là, on va s'assurer le point. C'est Melovski qui envoie à Poirier. Le tir de Poirier! L'arrêt! Et le but! Medina! Louis-Charles Plourde! Et Louis-Charles Plourde avec ce boulet que Medina n'a pas réussi à maîtriser. Et il cède pour une première fois. Il cède à un moment très opportun pour le Drakkar. Alors qu'il ne reste que 2 minutes 32 et Louis-Charles Plourde touche la cible. Et là, tout le travail, Jacques, c'est la puissance du boulet de Poirier. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est Bernier, suite à cette mise en jeu gagnée par le Drakkar. Attention, le filet désert, on s'avance, le tir et le but! C'est terminé! Dans un filet désert, le Drakkar confirme. Jamais Seymour! C'est Seymour qui marque à son retour au jeu dans une cage déserte. Son premier de la saison. Son premier de la saison. Il va le prendre, même si c'est dans un filet désert. On les prend de toutes les façons. Et c'est un but important dans un filet désert, Jacques, parce que avec on s'avance du côté de Lavoie. Lavoie fait glisser dans le coin. Lavoie aurait pu, une fois qu'il avait franchi le centre, aurait pu tenter le côté central. Et là, et Louis-Charles Plourde! Louis-Charles Plourde qui marque dans son une cage 12e. Et c'est un tour du chapeau pour Plourde, il en avait...